Seigneur. Utilise-moi ce soir pour ta gloire. Utilise-moi puissamment. Remplis-moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta puissance. Merci Seigneur. Je veux que ton esprit soit avec moi. Remplis mes mains. Je veux une grande manifestation de ta puissance. Pour que l'honneur et l'adoration te reviennent. Je veux une grande manifestation. Merci Seigneur. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta puissance. Pour ton amour. Gloire et honneur te soient rendus. Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie de tes enfants. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Merci Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin d'être visité par toi. Saint-Esprit, ouvre mon cœur ce soir, ce matin. Ouvre mon cœur ce matin. J'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence d'abord. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux que ce soir tu te manifestes. Au nom de Jésus, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. Je veux une manifestation de ta présence. Je veux ta puissance ce soir. Au nom de Jésus, gloire te soit rendue, Seigneur. Parce que tu es le Dieu des dieux. Merci, Seigneur. Je bénis ton nom. Tu es le Dieu des dieux. Esprit de Dieu, ce matin, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci, Seigneur, pour ta puissance, pour ton amour. Ta glorifier, Père, ce matin, que la gloire te revienne pour tes enfants, pour nous tous. Alléluia. Visite-nous. Utilise-nous puissamment, Seigneur. Que tous ceux qui suivent, ici et en direct, soient délivrés. Esprit de Dieu, je te loue. Esprit de Dieu, je t'adore. Je reprends ta présence. Oh Dieu, tu es le Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Je bénis ton nom pour ta puissance. Merci Seigneur. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Seigneur, visite-nous. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Que le feu de ton esprit nous embrasse. Que le feu de ton esprit. Tu viens enlever. Tu viens enlever. Tu enlèves là. Esprit de Dieu. Que la puissance de ton feu embrasse. Non, non. Merci Seigneur. Pour ta puissance, Seigneur, ce matin, je veux ta puissance et ta présence, ton onction et ta puissance. Seigneur, que ceux et celles qui se sont déplacés soient bénis, qu'ils soient touchés. Tu es Dieu, libère-moi de Jésus. J'ai besoin de toi ce matin. Oh oui, Saint-Esprit, souffle ta puissance au nom de Jésus. Que tu puisses te mouvoir au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens intervenir. Esprit de Dieu, nous avons puissamment besoin de toi. Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Seigneur, c'est ce matin, je sais que tu vas te manifester. Tu
Tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Sois loué. Sois magnifié. Merci Seigneur. Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te loue au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Souffle Seigneur. Souffle sans Dieu. Souffle sans feu. Le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance, pour ton amour, pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Seigneur, pour ta puissance. Merci Seigneur, tu es le Dieu des dieux. Tu es puissant, tu es redoutable, tu es fort, tu es bon. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu le plus puissant et redoutable. Sans toi, nous ne sommes rien, éternel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Père, gloire, tu sois rendu. Merci Seigneur. Alléluia. Qui porte ce nom, Jacques? J'entends ce nom-là qui me vient encore plusieurs fois. Jacques. Seigneur, nous prions pour Jeanne, qu'elle soit en ligne ou ici. Merci Seigneur. Souffle ta puissance ce matin. Souffle ta puissance ce matin. Alléluia. Ouvre notre cœur ce matin. Si il y a Jacques dans la salle, viens pour qu'on puisse prier pour toi, Jacques. Le nom de l'Éternel, je ne sais pas, mais viens qu'on puisse prier pour toi. Le nom du Seigneur, viens qu'on puisse prier pour toi. Ne te gêne pas, viens, avance. J'attends le nom Jacques, Jacques. Si tu es dans la salle, viens qu'on puisse prier pour toi. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs ce matin. 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 Seigneur, que ce moment soit un moment spécial. Dirigez toutes choses. Merci Seigneur. Que ton esprit prenne le contrôle de ce moment et de ce temps. Seigneur, que ton esprit nous guide. Que ton esprit, Seigneur, ouvre nos cœurs. Que ton esprit ouvre nos cœurs. Seigneur, que nous devenons connectés à ta personne. Merci Seigneur. Connectés à ton cœur. Connectés à ton esprit. Seigneur, ce matin, règne par ton esprit. Règne par ton esprit. Règne par ton esprit. Règne par ton esprit. Seigneur. Merci de diriger remplis ce nous, moment. Dirige ce moment. Merci de prendre le contrôle, dirige de, ce temps, contrôle. De ce moment. Au nom puissant de Jésus. Nous te soumettons le je reste te soumets de le reste de ce programme. Que tu conduises. Je me conduis. Merci pour je veux que tous ceux qui sont connectés souffrent. Merci le bénir. Nous parlons pour toi. Merci le bénir. Te louons, te magnifions. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Alléluia. Nous te disons merci. Dans le nom puissant merci. De Jésus. Amen. 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 Acclame notre Dieu. Hey. Jésus. Alléluia. Merci. Alors, bien aimé, c'est un vrai plaisir pour moi ce matin. J'espère que vous êtes réveillés. Parce que nous, dimanche aussi, nous a conduit. Ce dimanche, l'emploi sera avec nous. Amen. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, pour ce programme spécial, nous nous préparons à entrer en 2022. Alors, il est notre orateur principal parce qu'il va préparer le cœur du peuple de Dieu à entrer vraiment en 2022 de manière glorieuse. Alors, bien-aimé, je voudrais t'interpeller à ce que tu puisses prêter attention à ce moment béni, ce moment de grâce, ce moment solennel où Dieu aimerait vraiment toucher la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. J'aimerais bénir la présence de chacun d'entre vous. Amen. Des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, le pasteur Germain qui est là, l'évangéliste Fulgence, j'aimerais bénir les diacres, tous ceux qui ont fait le déplacement aussi, qui sont venus, tous ceux qui viennent aussi d'une autre assemblée aussi pour assister à ce moment-là, que Dieu puisse bénir abondamment. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui sont dans la, de la maison aussi, que la grâce du Seigneur Amen. Soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais appeler l'homme de Dieu, le serviteur du Seigneur, éloigné ici sous vos acclamations. Amen. Alléluia. Amen. Merci, papa.
Merci, merci, merci. Que le Seigneur s'assure. Et puis demande-lui, est-ce que tu es prêt même? Et je demande aux femmes qui n'ont pas voilé leur tête de les voiler, s'il vous plaît. Amen. Je demande à ceux et celles qui ne se sont pas voilées de le faire, s'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur. Je demande aux femmes qui n'ont pas attaché leur tête. Bon, j'ai parlé en français africain. Tâche ta tête, prends un truc, il faut couvrir ta tête. Voilà, là c'est passé. Celles qui n'ont pas bien voilé, voilez bien. J'ai dit voilez bien. Voilez bien, ce n'est pas une partie. On est venu pour le combat spirituel. Alléluia. Alors, soyez les bienvenus. J'ai dit merci encore à Papa Clément, à toute l'église, à tous ceux et toutes celles qui ont travaillé pour que ce moment ait lieu. Je rends toute la gloire à Jésus. Je crois que lui-même, il savait qu'on allait être là. Et je remercie ceux et celles qui ont tenu à faire le déplacement. Et j'ai prié que Dieu vous visite. Merci à cette église qui m'accueille encore de nouveau. Ça sera toujours un plaisir pour moi de venir ici. Mais nous sommes là pour une raison bien précise que vous connaissez. Nous sommes là pour une veillée. Mais ce qui va se passer, c'est Dieu qui sait. Amen. Et n'oubliez pas une chose. Vous n'êtes pas seul à savoir qu'on devrait se réunir. Et en venant, le Seigneur m'a donné une parole qui me rassure. Parce que lui-même, il savait qu'on allait être là et il a prévu son armée. Alors nous allons acclamer le Seigneur. Merci, 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 c'est très gentil. Je crois qu'à peine papa a senti qu'on acclamait le Seigneur, on croyait même que c'était pour moi. Et c'était même été confortablement assis. On va reprendre, on dit, on va acclamer celui qui tient le souffle de ta vie. Wouh! Alléluia! On acclame le Seigneur encore plus fort, encore plus fort. Ton Créateur, acclame ton Créateur. Acclame-le. Merci. 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 Alléluia. J'aimerais aussi, dans quelques secondes, inviter la chorale. Et pendant que la chorale s'installe, on va dire merci à Dieu. Élevons la voix et prions notre Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom de ce que ce soir, tu es le seul qui va nous donner la victoire. Nous bénissons ton nom de ce que tu vois. Tu es fort. Nul n'est semblable à toi. Alléluia. Alors nous allons lui dire. Oui, vas-y. Amen. Amen. Surtout pour ceux qui ne sont pas, qui sont venus au gouvernement. N'oublions pas pour les questions de sécurité, la sortie de la porte. Lorsque dès que vous sortez, ça se verrouille automatiquement. Alors veillez à ce que vous puissiez mettre peut-être quelque chose. Si vous partez peut-être, je ne sais pas, quelque part, quelques minutes dehors, respirez, puis revenir là. Mettez quelque chose, parce que la porte va se condamner d'elle-même. Faites très attention. Amen. N'oubliez pas. Hein. Alléluia. À bon entendeur, salut. Donc, voilà, je remercie le Seigneur. Merci papa pour la précision. Je remercie la chorale, tous ceux et toutes celles qui sont là. Et n'oubliez pas qu'on est là pour le combat spirituel. Pas de timidité. Quand on dit de prier, on va prier. Et tant que ce n'est pas bien fait, on va refaire. Juste à ce que ce soit bien fait. Voilà. Libérez vos cœurs quand vous priez. Et pendant que la chorale va nous aider à dire à Dieu qu'il est l'alpha et l'oméga, je pense que tout le monde va se lever et on va adorer notre Dieu. Tu es l'alpha. Voilà, on va aller avec la chorale. C'est bon? Et pendant que la chorale nous accompagne, bien-aimés, vous allez louer votre Dieu, vous allez l'adorer. Prions dans le nom de Jésus. Parce que tu sais, il est l'alpha et l'oméga. Tu vas répandre ton cœur devant ton Créateur ce matin. Tu vas chanter avec la chorale. Il est digne de louange, bien-aimé. Ensemble, on chante pour notre Dieu. Alléluia. Tu es la femme. Tu es la femme.
mains vers ton Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te louons pour ta présence. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es bon. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour ta puissance. Avec mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'adore ton esprit, je te loue. Maintenant, avec l'aide de la chorale, tu vas lui dire: Esprit de Dieu, je t'adore. Tout le monde va chanter: Je t'adore. Alléluia. Accompagne la chorale, encourage la chorale, lève la voix et prie. Chante à ton Dieu. Alléluia. Dis à Dieu que tu l'adores. Alléluia. Adore l'Esprit de Dieu. Adore l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, libère-toi. Beaucoup. Merci à la chorale, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse. Oui, bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur. Maintenant, sans l'aide de la chorale et avec ton aide, surtout papa te regarde,
Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, je t'adore. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, je sais que c'est toi qui peux me toucher aujourd'hui. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, pendant que tu passes dans la salle, ne me dépasse pas. Tu vas élever la voix très fort. Vous savez, il y a de la puissance dans l'intensité de la voix. Si vous murmurez, Dieu passera à côté de vous. Je vous le dis en vérité, les prisons ne tremblent pas quand on murmure. La parole de Dieu nous dit clairement que lorsque Paul et Silas priaient, amen, tout le monde pouvait entendre, même à distance. C'est-à-dire que leur voix était si forte, si puissante, si autoritaire. Ils étaient tellement convaincus que la prison a tremblé. Amen. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à être touchés par Dieu parce qu'ils viennent dans la présence de Dieu avec la bouche fermée, l'esprit au village ou ailleurs, à la maison ou chez eux, en train de murmurer, de ruminer, au lieu de prier. Amen. Je me souviens en 2005, j'ai été dans une église et c'était la première fois que j'étais dans cette église. J'ai tellement prié avec autorité que ma main tremblait. Ma main tremblait, c'était la première fois. Mais l'homme de Dieu m'a regardé et dit, toi je sens que tu es un chrétien qui prie depuis longtemps. Il m'a dit, non, tu vas élever la voix et prier à ton Dieu. Et pendant que j'élevais la voix pour prier à mon Dieu, avant que le culte ne finisse, j'avais déjà reçu pour moi. Et je vais entendre quelqu'un dire, je reçois pour moi aujourd'hui. Je reçois pour moi aujourd'hui. Sans rendre gloire à Dieu. Il dit, offre à l'Éternel des sacrifices d'action. Quand on parle de sacrifice d'action de grâce, c'est d'abord ta parole. C'est d'abord ton expression envers Dieu. C'est d'abord ta reconnaissance. Tu es venu jusqu'ici, certains auraient aimé être là. Il y en a qui ont dit, j'ai envie ceux qui sont à Montréal. J'aurais aimé être au Canada pour être avec vous. Mais toi, tu es là. Pas par ta force, mais par la grâce de Dieu. Tu vas dire, Esprit de Dieu, je te remercie. Je te loue, je te loue, je te loue, je t'adore. Ouvre la bouche et parle. Laisse-moi entendre ta voix. Laisse Dieu savoir que tu es là. Il faut prier. Adore-le, adore-le, adore-le. Élève la voix et prie. 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 Élève la voix, prie, 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 prie. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Alléluia. Adore-le, adore-le, adore-le. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Esprit de Dieu, je t'adore. Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous te louons. Nous te magnifions, nous t'exaltons pour cette église. Oui Seigneur, que ta parole soit vivante aujourd'hui. Que ta parole soit vivante dans nos cœurs. Que ta parole soit vivante dans nos esprits. Alléluia. Que ta parole soit une réalité pour nous. Que tes promesses se manifestent. Élève la voix et prie ton Dieu. Prie, 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 bien-aimé. Prie, 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 prie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Seigneur des seigneurs. Oh Seigneur, tu es bon, tu es fort, tu es fort, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Bien-aimé, quelque chose se passe maintenant là. Ouvre ton cœur et parle à ton Dieu. Bien-aimé, ouvre ton cœur et parle à ton Dieu. Amen, 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 amen. Merci mon ami, tu vas rejoindre encore tout à l'heure. J'espère que vous comprenez au moins que vous êtes besoin d'attendre un programme de fin d'année pour entrer dans ta grâce. Et d'ailleurs, même le mois est à son début là, c'est l'occasion pour toi d'arracher quelque chose. Alors, on peut pas être en train de prier et puis tu as tranquillement les mains dans les poches. Qu'est-ce qui se passe là, ma sœur? C'est quoi ça? T'es pas venu au musée? Vrai ou faux? On est dans la présence de Dieu. Et la parole de Dieu dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te... On veut des chrétiens sur qui on peut compter ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Je veux quelqu'un qui va être un soutien pour moi. Je veux te voir tellement prier que moi-même, je n'ai pas envie d'arrêter. Parce que si j'arrête, que toi, tout le monde te regarde prier, vont dire, mais attends, ce gars-là, il est venu faire quoi? Alléluia. Faut pas faire comme ce gars-là qui est allé adresser un sujet de prière bidon là, à Dieu. Là. Il y avait un gars qui était là, il avait un problème de 4 millions. Et il y a un qui était là, il criait, Seigneur, oh Seigneur, donne-moi 150 000 francs. Et ce gars-là qui criait pour ça, tu me laisses prier, on a des problèmes sérieux là, vous êtes en train de... Mais le gars a eu pour lui sur le champ. C'est ça le plus important.
Alors, je veux ce soir que Dieu t'exauce au lieu d'aller encore attendre une autre veillée. Amen. Donc, si tu veux 150 000 francs et que l'autre veut 4 millions, ça c'est ton problème. Ce qui est sûr, c'est comment tu reçois, ça dépend de comment tu pries. Alors, tu vas dire quelque chose encore. Si les forces de ton village t'ont déjà localisé, repéré ou même suivi, tu vas lier toutes les forces qui sont venues ou qui ont été dépêchées depuis le monde des ténèbres pour s'opposer à nos prières. Alléluia. Répétez avec moi, ce soir, ce matin, je refuse l'opposition. Je lis l'opposition. J'enchaîne les opposants. Au nom de Jésus. Ce matin, je lis l'opposition. Je refuse l'opposition. Et j'enchaîne les opposants. Je lis leur bouche. Qu'ils ne parviennent pas à dire quoi que ce soit. Je lis leurs mains. Qu'ils ne parviennent pas à s'opposer aux anges de Dieu. Bon, ça c'est avec moi que tu l'as dit. Tu vas maintenant le dire toi-même. J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit allons à l'église. Hein, tu es venu de toi-même. Donc il faut prouver que tu es là de toi-même. Amen. Parce que si c'est ton papa que tu es venu accompagner, tu vas dormir pendant que lui prie. Amen. Alors tu vas dire à Dieu que tu lis l'opposition. Tu ne veux pas retourner d'où comme tu es venu. S'il y a un esprit de sommeil, de lourdeur, de paresse, de distraction qui est venu manipuler tes pensées pour que tu ne reçois pas ta grâce, cet esprit est lié. Prions dans le nom de Jésus. Il faut prier. Il faut prier. Nous lions l'opposition. Nous lions les opposants. Nous enchaînons les oppositions. Nous lions, nous lions, nous lions. Il faut prier. Nous lions les oppositions. Alléluia. Nous lions tous les esprits qui sont venus pour s'opposer à ce programme. Tous les esprits qui ont pour mission de s'opposer à ce programme. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Même si tu es en ligne, il faut prier. Alléluia. Tous ces esprits qui ont pour mission de s'opposer à ce programme, nous vous lions, nous vous enchaînons, nous vous paralysons. Bien-aimé, ouvre la bouche et prie. Alléluia. Il faut lier les oppositions. Tous ces esprits qui ont pour mission de venir opérer dans cette église, nous vous lions, nous vous enchaînons, nous vous paralysons pour toujours. Soyez liés. Alléluia. S'il y a un esprit de ma famille qui m'a suivi, qui m'attend dehors, soyez liés, soyez liés. S'il y a un esprit de ta famille, un esprit, un homme fort, nous le lions. S'il y a un homme fort de ta famille qui s'est positionné, qui s'est armé, nous le lions. Tout pouvoir qui s'est positionné pour s'opposer à ta vie, nous le lions, nous le lions, nous le lions, nous le lions. Bien, il faut prier. Nous enchaînons les opposants. Nous les enchaînons au nom de Jésus. Par la parole de Dieu. Que les opposants soient enchaînés. Qu'ils soient enchaînés. Il faut prier. Nous les lions. 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 Tous les opposants, nous les bloquons. Où qu'ils soient, qui qu'ils soient, quoi qu'ils fassent. Nous les bloquons, nous les lions, nous les enchaînons. Qu'ils soient arrêtés. 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 Tous les opposants, au plan de Dieu pour toi. J'ai dit, tous ces opposants-là, que Dieu les arrête aujourd'hui. Que Dieu les arrête aujourd'hui. Que Dieu les arrête aujourd'hui. Tous ceux-là qui s'opposent au plan de Dieu pour toi depuis ta naissance. Que Dieu les arrête. 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 Tous ceux, toutes celles, tous ceux, toutes celles, tous ceux qui depuis le monde des ténèbres s'opposent, s'opposent, s'opposent. Que Dieu les arrête. Il faut prier. Alléluia. Que Dieu les arrête. Que Dieu les arrête. Que Dieu les arrête. Que Dieu les arrête. Tous les opposants et les oppositions. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez
l'importance de cette prière. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez l'importance de cette prière? Ésaïe 14, 22. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Répète avec moi, qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Mon Dieu a décidé de me bénir. Bien aimé, je demande à ceux-là qui ont des habits, des choses, déposez-les. Ici, là même, il fait chaud. Vous avez le manteau à l'air, là même. Il fait chaud. Déposez le manteau, déposez vos problèmes, enlevez vos écharpes et autres. Et puis, bon, bombardez l'ennemi. Frères et sœurs, vous savez, ce que nous faisons ici, ce n'est pas un jeu. Il y a des hommes et des femmes qui, à cause de l'opposition, leur destinée est en attente. Alléluia. Le jour où l'étoile doit briller est en attente. Le jour de la gloire est en attente. À cause de quoi? L'opposition des esprits familiers. Oui. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui, la terre entière, attend leur nouvelle. Alléluia. Mais à cause de l'opposition, personne ne les connaît. Il y a des prophètes qui doivent s'élever. Le monde entier n'attend que leur prophétie. La prophétie de la délivrance. Mais encore une fois, à cause de l'opposition, ces élus de la destinée attendent leur jour et de manière infinie. Et la parole de Dieu déclare: la main de l'Éternel est étendue. Qui la détournera? Bien-aimé, lorsque le Seigneur étendra la main pour te délivrer, personne au monde ne pourra s'y opposer. Dis avec moi, personne ne pourra s'y opposer. 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 Personne ne pourra s'opposer à ma destinée. Personne ne pourra s'opposer à ma destinée. Personne ne pourra s'opposer à ma destinée. Personne ne pourra s'opposer à ma bénédiction. Personne ne pourra s'opposer à ma bénédiction. Personne ne pourra s'opposer à ma bénédiction. Personne, 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 personne. Oh, nom de Jésus. Frère, c'est triste de le dire, mais à cause de l'opposition, certaines étoiles n'ont jamais brillé jusqu'à ce que ceux-là qui sont venus sur terre soient répartis sans accomplir leur destinée. À cause de l'opposition, on ne peut être triste que de constater que certains sont morts même avant leur temps, parce que l'ennemi a dit non. Le serviteur de Dieu a pu dire, et je cite: une grande porte d'un accès efficace est ouverte, mais les ennemis sont les adversaires, les opposants. Ceux qui ne veulent pas sont nombreux. L'opposition n'a pas commencé à exister aujourd'hui. Elle existe depuis le premier temps. La parole de Dieu nous dit qu'il y a eu une guerre au ciel. Mais cette guerre n'a pas été gagnée parce que Dieu est resté les bras croisés. Cette guerre n'a pas été gagnée parce que les anges sont restés les bras croisés en espérant que Dieu fasse quelque chose. La parole de Dieu déclare que Michael et ses anges combattirent. Et le dragon aussi et ses anges combattirent. Si tu veux que le Seigneur amène des anges pour te soutenir, c'est par la prière. Amen. L'opposition, certaines mères attendent le jour où elles vont entendre le cri de leur premier bébé. Alléluia. Hélas, encore, à cause de l'opposition, ce jour tarde tellement que le désespoir commence à gagner certains. Même s'ils ont foi en Dieu, ils espèrent que Dieu fasse, mais ils n'ont plus la force de se battre. À cause de quoi? L'opposition. À cause de l'opposition, nombreuses sont les destinées qui ont été changées. On veut te bénir, mais Dieu dit, tu vas être béni. Et ils disent, non. On met quelqu'un d'autre sur ton chemin et on change ta destinée. Et encore, à cause de quoi? L'opposition. Alléluia. Que quelqu'un dise que l'opposition périsse aujourd'hui. Que l'opposition périsse aujourd'hui. Et que les opposants soient punis.
les opposants soient punis. Alléluia. Alléluia. J'ai écouté une chanson qui dit, sa promesse n'échoue jamais. Mais ses promesses s'accomplissent lorsque nous prions. Dis à quelqu'un, ses promesses s'accomplissent lorsque nous prions. Hey, tu veux vaincre l'opposition? Tu dois être un guerrier de prière. Amen. C'est vous qui banalisez vos destinées. L'ennemi sait que vous êtes la solution au problème de quelqu'un. Il y a un homme qui pleure. Oh Dieu, quand vais-je rencontrer la femme de ma vie? Tu es la solution au problème de quelqu'un. Alléluia. Dis avec moi, je suis la solution au problème de quelqu'un. Ouh, alléluia. Dis à quelqu'un, je suis la solution au problème de ce pays. Je suis la solution au problème de ma famille. Et pendant que tu ne le sais pas, tu es la solution au problème de tes frères. C'est pour ça que tu as un problème. Quand ils ont un problème, ils appellent qui? Toi. Et certains d'entre vous, vous êtes plus qu'une solution au problème d'une famille. Vous êtes une solution au problème d'une nation. Moïse était une solution au problème d'un peuple. Et Jésus-Christ était une solution au problème du monde entier. Mais vous savez, même Jésus a fait face à des oppositions. Même Moïse a fait face à des oppositions. L'opposition ne peut être surmontée que par la prière. Alléluia. Il est arrivé des moments où les gens ont prêché des messages amenant le peuple de Dieu dans le sens contraire à la volonté de Dieu. C'est pour ça, jusqu'à présent, certains attendent encore le jour. Mais ce qui est bien, c'est que ce jour peut arriver aujourd'hui même. Amen. Parce que lorsque Dieu se lève et que l'ennemi se disperse, la promesse s'accomplit. Dis à quelqu'un, l'opposition ne viendra pas à bout de moi. L'opposition ne viendra pas à bout de moi. Frère, il suffit que tu commences un projet, un malheur t'arrive. C'est une façon à eux de s'opposer à ça. Il suffit que tu sois en train de planifier un mariage, les disputes arrivent. C'est une façon à eux de s'opposer. Mais tombe malade, souffre et autres. À cause de quoi? Des oppositions à sa naissance. Et certains d'entre vous, vous savez comment ça a été difficile, les écoles, les études et autres. À cause de quoi? Des oppositions. Certains savent combien ils ont souffert pour avoir le visa, au point même parfois d'avoir des recours à des moyens même que seul Dieu sait. À cause de quoi? Vous voulez acheter un terrain pour bâtir. Le diable enverra un compétiteur pour vous arracher le terrain. À cause de quoi? Les oppositions. Vous est-il arrivé d'annoncer quelque chose sans que les rêves, les cauchemars commencent? Mais ce sont les oppositions. Quand vous ne voulez rien, on vous laisse tranquille. Mais quand vous désirez l'excellence, alors il y a les oppositions. Avez-vous une fois ouvert la bouche pour dire, je vais bâtir un temple, sans que quelqu'un ne dise, tu es sûr que tu peux bâtir ce temple? Le diable parle par la bouche de quelqu'un à cause de quoi? Les oppositions. Donc, si vous voulez que les promesses de Dieu s'accomplissent pour vous plus vite que prévu, il vous faut avoir recours à la prière. Et surtout, détrompez-vous, on ne rentre pas dans la destinée avec n'importe quelle prière. Amen. Parce que les oppositions, c'est la guerre que le diable te mène. Il est parfois même prêt à te tuer pour que tu oublies cette affaire. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous ai déjà raconté, pour ceux qui me suivent, l'histoire d'un jeune homme qui allait passer un concours de gendarmerie. Ce jour, j'étais là quand il a reçu la balle perdue. Parce que nous tous, on est venus voir. Je le connaissais. On a entendu des tirs, on est venus. Après avoir réussi à son concours de gendarmerie, le diable va orchestrer quelque chose. Des jeunes hommes sont allés voler. Par hasard, il se trouve là. On tire sur les bandits et il prend une balle au pied. Il a réussi l'épreuve. Mais physique, il ne pouvait pas. Il a été disqualifié. À cause de quoi? Des oppositions. Quelqu'un avait dit, toi, tu restes comme ça. Si tu réussis, on te tue. Mais il ne savait pas prier.
Et après, il est allé faire un autre concours. Et il a travaillé dur. Le jour où on devrait lui envoyer une lettre d'embauche, en décembre, il est quitté, fêté quelque part en venant. Des jeunes hommes l'ont accosté, l'ont poignardé, il est mort. Quelque temps après, avant que sa lettre d'embauche n'arrive. À cause de quoi? Des oppositions. On ne peut jamais réussir dans ce monde méchant sans avoir une véritable vie de prière. Amen. Combien de fois au bord de vos percées, ils sont venus vous étouffer, étrangler. Quand quelqu'un t'étrangle, tu crois que c'est pour te caresser? C'est pour te tuer? À cause de quoi? Des oppositions. Donc, si vous n'aviez pas de raison pour prier, je vous en donne aujourd'hui. Amen. Tout le monde peut aller avoir, même si ce n'est pas pour faire quelque chose. Mais toi qui as un bon rêve, tu t'en vas, on te dit non. À cause de quoi? Des oppositions. Le frère va voir une soeur et puis il s'en va. Oh, la soeur. Ben écoute, bon, je sais que peut-être tu es marié, il ne faut pas gâter à faire des gens. Donc, et autre, il dit, bon, c'est celle que je veux. Il y a quelqu'un de la famille qui un beau matin se réveille, on ne sait pas s'il a bu quoi. Il dit, je ne veux pas. Ce mariage à lui, il ne veut pas. Tant qu'il est là, il ne veut pas. À cause de quoi? Et vous savez combien les oppositions ont gâché beaucoup de vies, divisé des gens, détruit des projets, freiner, et il y a encore des gens qui sont encore en train de trouver un moyen de s'entendre avant d'avancer, et puis bon, il n'y a aucune solution. À cause de quoi? Position. La jeune fille a eu l'occasion de se marier avant sa grande soeur, et la grande soeur dit non, je suis ta grande soeur, la petite soeur ne peut pas se marier avant moi, et elle bloque ton mariage. À cause de quoi? Opposition. Tu vas dire à Dieu ce matin, si j'ai fait quelque chose qui donne autant de pouvoir à l'ennemi de s'opposer à moi, je te demande pardon. Parce que l'opposant agit toujours sur la base d'un droit légal. Qui s'y opposera aux élus de Dieu? Qui les accusera? La Bible dit que c'est Dieu qui justifie. Mais bien aimé, quand il y a un blocage, Dieu dit que ce blocage devient une barrière. Donc tu vas enlever la barrière et puis on va rentrer dans le combat. Même si tu as mangé la nourriture, il faut confesser. Même si tu avais une dette, il faut confesser. Même s'il te contourne en prenant les histoires de ton père et de ta mère pour dire non, que vous avez le même sang, il faut confesser. Tu vas fermer les yeux et dire à Dieu, Seigneur, s'il y a des raisons pour lesquelles l'ennemi s'oppose tant à moi, pardonne-moi. Même si tu as manqué de payer tes offrandes il y a des années, et puis le diable dit non, que oui, elle ne paye pas ses dîmes, pourquoi tu as dû lui donner des millions? Il faut confesser tout ça là. Le combat spirituel est très sensible et délicat. Si vous ne savez pas ce qui vous bloque, vous pouvez souffrir à prier pour rien, alors que c'est juste un petit détail qu'il fallait confesser. Tu vas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux, il ne faut pas profiter pour dormir, pardon. Tu es debout. Élève la voix et prie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que tout ce qui leur donne le droit de témoigner contre moi, je confesse les critiques, les commérages, si j'ai parlé des gens à leur insu, si j'ai dit, j'ai fait des choses qui donnent à l'ennemi le droit légal, je me repens. Demande pardon. Ouvre la bouche et parle. Parle sérieusement. Alléluia. Parle sérieusement. Parce qu'aujourd'hui là, tu vas te détacher. Oui. C'est vrai, aujourd'hui on me traite comme ça. Mais je suis pour quelque chose moi aussi. Alléluia. C'est vrai, aujourd'hui je souffre. Mais j'y suis pour quelque chose. Alléluia. Parle à ton Dieu. Oh oui. Dis-lui, Seigneur, même si ce sont mes parents, je te demande pardon. Même si c'est moi-même, je te demande pardon. Je ne sais pas qui est allé signer un contrat, mais je te demande pardon pour ce contrat. Même si c'est à cause de la parole de mon père, la parole de ma mère, je te demande pardon. Oui, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Si c'est à cause du sang de ma lignée familiale, Seigneur, je te demande pardon. Si c'est à cause du nom que je porte, si c'est le nom qui leur donne autant de pouvoir, Seigneur, je demande pardon.
Si c'est une erreur que j'ai commise, quelque chose que j'ai faite dans l'ignorance et qui leur donne autant de pouvoir, Seigneur, je te demande pardon. Alléluia. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Déverse ton cœur devant lui. Aujourd'hui, que l'opposition soit vaincue, que l'opposant soit désarmé. Dis à Dieu, tout ce que j'ai fait dans le passé, que j'ai même oublié de confesser, et qu'il leur donne autant de pouvoir. Seigneur, pardonne-les-moi. Alléluia. C'est l'occasion pour toi de dire, Seigneur, c'est vrai. J'ai beaucoup parlé. Je ne sais de qui et de quoi. Peut-être j'ai oublié, peut-être je m'en souviens. Je te demande pardon. Pardon pour toutes les portes que j'ai ouvertes. Pardon de ne t'avoir pas assez prié pour certains projets. Pardon de ne m'avoir pas pris des mesures. Que l'opposition me lâche aujourd'hui. Que les opposants me libèrent aujourd'hui. Demande pardon mon frère, demande pardon ma soeur. Ne laisse rien, ne laisse rien, ne leur donne aucune occasion. Faut dire si c'est à cause du nom que je porte, que ce soit le nom de quelqu'un qui adorait des fétiches, si c'est ça que les fétiches utilisent, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, bien-aimé. Pendant que tu es là, déverse ton cœur devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, on parle trop des gens. On critique trop. On est trop dans la médisance. On est trop dans la colère, dans la haine, dans la rancune. Je ne sais ce qui me bloque. Mais aujourd'hui, Seigneur, que l'opposant soit désarmé. Que l'opposant soit désarmé. Alléluia. Que l'opposant soit désarmé. Que les démons là qui s'opposaient lâchent prise. Que l'opposant soit désarmé. Que l'opposant soit désarmé. Bien-aimé, profite de cette occasion. Dis Seigneur, si c'est à cause de la nourriture que j'ai mangée, si c'est à cause d'une aide que j'ai reçue et qui aujourd'hui se retourne contre moi, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Bien-aimé, profite de cette occasion. Profite s'il te plaît. Profite mon frère. Profite ma soeur. Dis à Dieu, je ne sais quelle porte j'ai ouverte. Je ne sais quelle affaire j'ai négligée. Peut-être que tu m'as révélé des choses en rêve que j'ai banalisées. Alors, Seigneur, je te demande pardon. Bien-aimé, ce moment est tellement formidable. C'est même le meilleur moment de la prière, la repentance. Si tu ne te répands pas bien, tu peux être en train de combattre le diable. Il a quelque chose qui tient pour t'accuser. Dis-lui, Seigneur, si c'est à cause de ma façon de m'habiller, si c'est parce que j'ai été une occasion de chute pour les gens autour de moi, Seigneur, je te demande pardon. Alléluia. Dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes mains, pour mon cœur, pour ma bouche, pour mes pensées, pour mes actions, pour mon passé, pour mon infidélité. Père, je te demande pardon. Ouvre la bouche et parle. On va désarmer les opposants. Tout ce sur quoi ils s'appuyaient aujourd'hui, on enlève ça de ta vie. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, si c'est parce que mes yeux ont vu des choses que je ne devrais pas voir, si c'est parce que mes mains ont fait des choses que je ne devrais pas faire, si c'est parce que ma bouche a dit des choses que je ne devrais pas dire, si c'est parce que mes oreilles ont entendu des choses que je ne devrais pas entendre, Père, je te demande pardon. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi perd son emprise en ce moment même. L'ennemi perd son droit légal en ce moment même. L'ennemi perd son emprise. Dis-lui, Seigneur, je me repens pour mes dettes. Je me repens pour mes dettes. Je me repens, je me repens, je me repens, je me repens. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, si c'est parce que j'ai dit des choses que je ne fais pas, j'annonce des choses que je n'accomplis pas, je promets des choses que je ne fais jamais, sans parfois même m'excuser, Père, je te demande pardon. Même si c'est à cause de mon père, à cause de ma fondation et de mes aïeux, à cause de ma tribu et de mon village, peu importe les alliances qui ont été scellées, les pactes et les décrets, les sacrifices et les contrats sataniques, Père, je te demande pardon. Si c'est parce que je suis redevable à quelqu'un,
si c'est parce que je suis né dans une famille qui a commis beaucoup de choses, si c'est parce que je suis né dans une famille adultère, dans une famille polygame, dans une famille où il y a la haine, la colère, la division, Père, je te demande pardon. Dis-le, Seigneur, si je suis moi-même volontairement sorti de ton chemin, si tu m'as parlé, je ne t'ai pas écouté, si j'ai été quelqu'un qui aimait les querelles, si j'ai été l'occasion de chute pour d'autres personnes, alors que je veux que tu me relèves, Père, je te demande pardon. Répands-toi, bien-aimé. Ils n'ont plus de pouvoir ce soir. Dis au nom de mon père, au nom de ma mère, au nom de mes frères, je te demande pardon. Dis-lui, Seigneur, pour toutes les fois que j'avais l'occasion d'aller à l'église, que je pouvais faire le bien, que je pouvais dire du bien, mais que j'ai décidé volontairement de ne pas le faire. Père, je te demande pardon. Dis-lui, Seigneur, si c'est parce que mon téléphone, c'est parce que mon travail, c'est parce que mes intérêts, c'est parce que mes propres affaires me prennent plus de temps que le temps que je t'accorde alors que tu es mon créateur. Père, je te demande pardon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Mon Seigneur. 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 Ouh, est-ce que tu sais ce qui se passe là? Allez. Seigneur. 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 Par ton sang. Je rachète mon étoile.
Je rachète mon étoile. Je rachète mon étoile. Au nom de Jésus. Tu vas poser une action. Tu vas prendre ta chaise comme ça. Hey! Prends ta chaise. Prends ta chaise. Prends ta chaise. Hey! Ouh! Merci Seigneur. Maintenant, tu vas appeler le nom de quelqu'un. Je prie même que tu te trompes même pour dire mon nom. Parce que nous allons renverser le jugement satanique. Hey! Nous allons renverser les condamnations sataniques. Nous allons renverser les œuvres de l'ennemi. Vous savez, quand le Seigneur guide, on fait ce que le Seigneur dit. Maintenant, tu vas appeler ton nom. Tu vas dire, j'espère que c'est ton nom. Éloge Kissi. Oh, 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 c'est quoi ça? Éloge Kissi. Éloge Kissi. Éloge Kissi. Wouh! Acclame le Seigneur. Oh, Jésus. Ah, vous allez voir. Éloge Kissi. Je te convoque dans le tribunal de Dieu. Tu peux dire ton nom. Éloge Kissi. Tu parles à ta vie. Éloge Kissi. Je te convoque au tribunal de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de ce que vous allez faire. Vous savez, dans le monde des ténèbres, on convoque les gens et on les maudit, on les condamne, on les détruit. Si le Seigneur nous révèle qu'on doit poser cette action prophétique pour renverser les jugements, ce n'est pas l'occasion de jouer. Alléluia. Ce n'est pas l'occasion de jouer. Éloge! Au nom de Jésus! Sors de la prison. Je te convoque. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Viens. 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 Et assieds-toi. Assieds-toi. Au nom de Jésus. Assis. Assis. À la place que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Éloge. Si tu avais été condamné à échouer, j'annule la condamnation. Tu es libre, 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 tu es libre. Hey! Woo! Hey! Amen, 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 amen. Répétez avec moi. Merci. Par le pouvoir. Est-ce que vous êtes là? Par le pouvoir qui m'a été conféré par la loi divine qui stipule tout ce que je demande au nom de Jésus me sera accordé en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés. Éloge Kissi, la malédiction familiale sur ta vie, je la brise, 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 je la brise. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je déclare, éloge Kissi, tu es libre, 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 tu es libre. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu veux appeler ton nom encore. Vous savez, parfois les gens là, ils sont étonnés. Je me rappelle, j'ai un frère qui est là. J'ai un frère qui est là, je ne vais pas dire son nom. Son papa est dans les choses bizarres. Et un jour, il a regardé sa maman et puis il dit, mais c'est qui c'est logé, qui c'est là, qui fait des exploits comme ça. Vous comprenez que même un frère maçon reconnaît que ce gars-là, ce que Dieu lui donne là, c'est trop. Bien aimé, il y a un sorcier qui voulait finalement libérer sa nièce ou un membre de sa famille. Et il appelle et puis il envoie la vidéo et dit, toi là, si tu veux, il faut suivre ce pasteur-là. Elle est étonnée, elle dit, mais attends, c'est mon oncle qui m'a envoyé ta prière. Et en plus, c'est un grand sorcier. Donc, bien aimé, connaisseur connaît. Amen. Connaisseur connaît.
Connaisseur. Bien aimé, ne joue pas avec ce qu'on entend de faire. C'est une révélation. Maintenant, tu vas appeler ta famille entière et tu vas la libérer par une action prophétique. Dis, la famille est ici, sous le joug de la sorcellerie. Je vous convoque au nom de Jésus. Je brise le joug. Je brise la malédiction. Je brise le joug. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je révoque les alliances. Je révoque les alliances. Au nom de Jésus. Bien aimé, je parle pour ceux qui sont dans ce cas-là. Mon ami, merci. Tu joues trop bien. Que Dieu te bénisse. Voilà, qui te donne l'onction même de jouer plus. Tu vas parler à ton mari. Il faut l'appeler ici aujourd'hui. Tu appelles ta femme. Voilà. Si tu veux, il ne faut pas dire fort son nom. Tu peux dire. Et puis après, tu cries fort sur lui. Il ne faut pas que quelqu'un va entendre le nom de ton mari. Il va dire, hé, donc la belle là, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'ils font. Ils convoquent son âme et lui donnent des ordres pour dire, toi là. À partir d'aujourd'hui, non. Tu ne seras plus avec toi. Maintenant, on va envoyer quelqu'un dans ta vie. Manipulation satanique. Alléluia. Manipulation. Et le gars, il se réveille. Toi, tu es congolais, tu parles en français bizarre. Tu es même ivoirienne, tu ne comprends même plus quel langage ton mari parle deux jours là. Tu dis, mais il y a quoi même? Chérie, deux jours là, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, non, est-ce que c'est parce que je ne t'ai pas fait le pondou? C'est pas fait des pondou. Je te dis la vérité. Si vous croyez que ça là, c'est une affaire où on va aller jouer les victimes dedans là, vous vous trompez. C'est pas affaire de pondou. C'est un ordre satanique qui a été donné. Tu la quittes avant la fin de l'année. On donne même la date où il va prendre ses bagages pour partir. Et quand ça arrive exactement, il s'en va. Certains d'entre vous, vous voyez ça, mais vous aimez quand ça arrive. Pourquoi? Parce que quand vous voyez là, vous ne priez pas. C'est comme la sœur là. En rêve, ils sont venus, ils l'ont enlevé comme ça, puis ils ont donné une femme à son mari. Elle dit, chérie, j'ai rêvé, on t'a donné femme. On m'a enlevé puis on t'a donné femme. Et dit, oh laisse ça, ce sont des rêves. Deuxième fois, cette fois-ci là même là, lui-même là, il a pris la femme, ils étaient en train de partir. Chérie, j'ai encore rêvé. Cette fois-ci, tu es même parti avec la femme. Et dit, oh vos histoires de rêves. Aujourd'hui là, effectivement, ils ont donné femme, il est parti avec ça. Il a laissé sa femme qui l'a aidé. Elle a vu et croyait que c'était un rêve. Ce n'est pas un rêve. Ce que je vous explique là, c'est la vérité. Donc, ton mari, je ne sais pas, il est où, même si c'est un pointeur qui hésite entre plusieurs là. Il faut le convoquer. Il faut dire, hey, toi là, tu viens ici. Un homme ne peut recevoir que ce qui va te donner du ciel. Alors, tu vas parler. Tu vas dire le nom de ta femme. Voilà. Il faut leur dire qu'aucun parent ne peut rentrer entre nous. C'est entre toi et moi. C'est ce que Dieu a dit. Tu le convoques. Tu dis, toi aujourd'hui, je te donne l'ordre. Tu ne m'écouteras que moi seul. Les papatons qui sont dehors là, ils perdent le pouvoir. Aujourd'hui, je reprends le contrôle. Papa, c'est ça, non? Donc, qui est prêt? Amen. Répète avec moi. Aujourd'hui, par le pouvoir qui m'a été conféré par Jésus-Christ pour demander et recevoir, pour chercher et trouver, tu vas appeler ta femme. Tu dis son nom. Moi, je ne dis pas pour moi. Ma femme, au nom de Jésus, viens t'asseoir ici. Toutes les paroles programmées dans tes pensées, je brise, j'annule et je casse au nom de Jésus. Si tu obéissais à des paroles programmées dans ton esprit, je les annule et je déclare, tu es libre. Tu es libre, 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 au nom de Jésus. Répète avec moi, mes enfants, au nom de Jésus, je vous appelle ici, ici et maintenant. S'il y a des paroles qui ont été programmées contre vous, au nom de l'Éternel, je vous libère, je vous libère, je vous libère, je vous libère, je vous libère. Au nom de Jésus. Si par exemple, quelqu'un a dit que vous n'avez jamais enfanté, ce jugement-là, on va l'annuler. Amen. On a le pouvoir de l'annuler. Je vous dis, on a le pouvoir de l'annuler. Amen. Tu vois, non, même si tu connais ta soeur qui n'enfante pas,
tu l'appelles, si elle s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais il faut inventer le nom là pour moi. Si elle s'appelle Tant, tu dis toi, Tant, même si c'est Jocelyne, je te convoque ici. Tous les jugements, toutes les condamnations selon lesquelles l'ennemi t'interdit de connaître le bonheur maternel. Au nom de Jésus, je les brise et je t'autorise à enfanter. Cette action prophétique là, ça là, je suis sûr que Satan est déçu de nous voir faire ça. Amen. Parce que quand il y a des problèmes spirituels, il faut des actions prophétiques. Amen. Je dis toujours, l'action prophétique, c'est le raccourci pour ta guérison. Amen. Le raccourci pour ta bénédiction. Amen. Le raccourci pour la manifestation. Amen. On peut avoir recours à la prière quand il s'agit de s'opposer à l'ennemi. Mais quand on veut entrer dans la destinée, quand on veut restaurer une vie, il faut une action prophétique. Amen. Ça sert à quoi de parler à un vent? Mais Dieu a dit à Ézéchiel, parle à l'esprit dans le vent. C'est une action prophétique. Amen. Élisée a dit, mettez le sel dans l'eau. Élisée a dit, va te laver cette fois. C'est une action prophétique. Amen. Même le Seigneur Jésus a craché par terre. Et avec la terre, il met sur les yeux de la personne. Et il dit, ouvre tes yeux, va te laver le visage. Amen. C'est une action prophétique. Bien aimé, si vous ne savez pas, vous êtes dans quelle position et puis qu'est-ce que votre prière demande? Vous priez, vous priez, vous priez. On dit de s'opposer à Satan quand il s'agit de faire parler à lui. Maintenant, pour rentrer dans la bénédiction là, ce n'est pas question de combat spirituel. C'est question de stratégie spirituelle. Amen. 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 Comment toi, on a attaché ton pied au village? Amen. Au lieu de briser la corde, de poser des actions selon lesquelles tu te détaches, tu te libères du fardeau, tu es en train de faire un combat là-bas. Tu vois de quoi je parle, papa? Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On a attaché ton pied et toi, tu es en train d'envoyer le feu. C'est hors contexte. Vrai ou faux, mon ami? Si on a attaché ton pied, tu te libères. Regardez, j'ai été dans une église où on nous avait posé des actions prophétiques. C'était ma première délivrance. Le pasteur a dit, vous voulez qu'on reprenne ça? Comme ça, vous allez voir un peu comment on fait. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On a l'habitude de faire ça, mais on va le faire. Est-ce que quelqu'un est prêt à se libérer du fardeau, du manteau de pauvreté, du manteau de célibat? Donc, vous êtes prêts, vous allez sauter, vous allez bouger. Si quelqu'un ne bouge pas, on reprend juste à ce que tout le monde bouge. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Répète avec moi. Par le pouvoir, par le pouvoir et l'autorité qui m'a été conférée par la loi divine pour demander et recevoir, pour chercher et trouver, au nom de l'Éternel, tout fardeau spirituel que je porte, je te saisis et je te jette. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Répète avec moi. Par le pouvoir et l'autorité qui m'a été conférée par Dieu pour demander et recevoir, chercher et trouver au nom de l'Éternel. Tout pouvoir assis sur mon mariage, assis sur ma vie, assis sur mes projets, au nom de l'Éternel, je te saisis et je te jette. Je te saisis et je te saisis et je te jette. Je te saisis et je te jette au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prendre autorité. Par le pouvoir et l'autorité qui m'a été conférée par Jésus pour demander en son nom et recevoir, pour chercher en son nom et trouver, pour frapper, pour qu'on m'ouvre tout sorcier qui est assis sur mon enfantement, sur mon étoile, sur ma bénédiction, sur mes projets, au nom de l'Éternel, je te saisis et je te dégage. Je te saisis et je te dégage. Je te saisis et je te jette. Je te saisis et je te jette. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas faire deux pas en arrière. Je t'ai déjà averti que tu vas bouger. Répète avec moi. Il est écrit. Parle bien, parle bien, parle bien. Il est écrit. Porte. Élevez vos lenteaux.
Élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous, portes éternelles. Au nom de l'Éternel, que je fasse mon entrée dans le plan de Dieu. Porte, élevez vos linteaux. Barrière, ouvrez-vous. Porte, élevez vos linteaux. Portail, élevez vos linteaux. Au nom de l'Éternel, recule un peu. Toute barrière spirituelle que mes ennemis ont installée sur mon chemin, au nom de Jésus, je te saute. Toute limite que l'ennemi a établie contre ma vie, au nom de l'Éternel, je te saute. Toute frontière spirituelle entre moi et ma destinée, au nom de l'Éternel, je te dépasse. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas faire comme moi. Seigneur, je suis destiné à revêtir un vêtement de gloire. Je suis destiné à marcher dans la gloire de Dieu. D'ailleurs, je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. J'entre dans ma destinée. J'entre dans le plan de Dieu. Je dépasse mes limites. Je dépasse les frontières. Je dépasse les barrières. J'avance. 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 Au nom de Jésus, tout fardeau, tout manteau de pauvreté que je portais, je te saisis, je te déchire et je te jette. Je te saisis, je te déchire, je te déchire, je te déchire, je te déchire, je te déchire et je te jette. Manteau de pauvreté, manteau de stérilité, manteau de maladie, au nom de Jésus, je te saisis et je te brise. Je te saisis et je t'enlève. Je te saisis et je t'enlève. Je te saisis et je t'enlève. Je te jette, je te jette, je te jette, je te jette. Sors de ma vie. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Répétez avec moi. Par le pouvoir et l'autorité qui m'a été conférée par la loi, par Dieu, à travers sa loi, pour demander et recevoir, pour ordonner et voir la manifestation, pour frapper. Pourquoi on m'ouvre? Je refuse d'être en captivité au nom de Jésus. Je refuse d'être limité au nom de Jésus. S'il y avait une captivité dans ma vie, je la brise. S'il y avait une malédiction dans ma vie, je la brise. S'il y avait une condamnation dans ma vie, je la brise. S'il y avait un obstacle dans ma vie, je le brise, je le brise, je le brise, je le brise. S'il y avait une limite qui combattait ma vie, je la brise, 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 je la brise. Au nom de Jésus. S'il y avait une interdiction dans ma vie, je la brise, 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 je la brise. Au nom de Jésus, tout filet de l'oiseleur lancé contre mon âme, je te saisis, je te déchire et je me libère. Au nom de Jésus, tout filet de l'oiseleur qui a été lancé contre moi, je te saisis, je te déchire et je me libère. Tout filet, toute corde satanique qui m'a été lancée, je te saisis, je te brise et je me libère. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas te positionner. Il est écrit. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Portes éternelles. Je parle aux portes de l'enfantement. Je parle aux portes de mes destinées. Je parle aux portes de ma vie. J'ai votre clé en main. C'est la parole de Dieu. Il est écrit, je marcherai devant toi. Je briserai les verrous de fer. Je romprai les portes des reins. J'aplanirai les chemins montueux. Et je te donnerai
les richesses enfouies et les trésors dissimulés dans les ténèbres. Il est écrit, tes portes ne seront plus fermées, elles seront ouvertes la journée comme la nuit, afin de laisser entrer dans ma vie les trésors des nations. Je saisis ma clé et j'ouvre toutes les portes qui ont été fermées contre moi. J'ouvre, ouvre, j'ouvre les portes, j'ouvre les portes, j'ouvre les portes. Il faut tourner la clé, j'ouvre les portes de la bénédiction. J'ouvre les portes, j'ouvre les portes, j'ouvre les portes, j'ouvre les portes. Au nom de Jésus, je pousse, 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 je dégage, 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 et j'entre, je pousse, je dégage, je pousse, je pousse, je pousse, et j'entre dans le plan de Dieu. Alléluia. Je suis dans le plan de Dieu. Je confesse que je suis dans le plan de Dieu. J'ai dit, je suis dans le plan de Dieu. Et maintenant j'arrache, je récupère toutes mes bénédictions. Je les récupère, je les arrache, je les arrache. J'arrache maintenant, je reprends mes bénédictions. Tout ce qu'on m'avait volé, je reprends tout. Arrache, 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 arrache. J'arrache, je reprends mes clés, mes biens, je reprends. J'arrache, 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 j'arrache ma vie de leurs mains. J'arrache mes réalisations. J'arrache, 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 j'arrache tout ce qu'on m'avait volé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, on retourne. Répète avec moi. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Répète avec moi. Ma vie. Ma vie. Où que tu sois. Où que tu sois. Aujourd'hui, je te convoque ici. Tu sors. De la captivité. Viens à ta place. Éloge est ici. Je t'appelle. Au nom de Jésus. Je brise les malédictions. Je brise, bien aimé, brise tout ce qu'ils ont dit sur ta vie. Je brise toutes les malédictions. Oui, Seigneur, toutes les malédictions dans la vie de Thio, je les brise. Les malédictions dans la vie de Bobo, je les brise. Oui, les malédictions dans ma vie, je brise les chaînes. Je brise, je brise, je brise, je brise. Je brise au nom de Jésus. Les malédictions sur ma femme, mes enfants, je brise au nom de Jésus. Les malédictions sur mes affaires, je les brise. Oh oui, si cette église avait été condamnée dans les ténèbres, la condamnation est révoquée. Si les projets de cette église avaient été condamnés dans le monde des ténèbres, nous les décondamnons. Si j'avais été condamné dans le monde des ténèbres, nous brisons la condamnation. Si tu avais été jugé et condamné, je brise les condamnations. Ce que l'ennemi a dit que tu ne vas pas faire, tu le feras. Ce qu'ils ont dit que tu ne vas jamais avoir, tu l'auras. Alléluia. Oui, Seigneur, j'appelle mon âme ici. J'appelle ma vie. Éloge, tu reviens. Si j'avais été condamné au village, je brise les condamnations. Si j'avais été jugé et condamné par des amis, par des ennemis, par des opposants, je brise les condamnations. Oui, éloge, je te libère aujourd'hui. J'annule les condamnations sur ma vie. J'annule, j'annule, j'annule. J'annule, j'annule, j'annule. Je brise les condamnations. Oh oui, je brise les condamnations. Si j'avais été condamné à mourir, condamné à souffrir, condamné, 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 je brise. Condamné, je brise. Condamné, je brise la condamnation. Je brise la condamnation. Je brise les liens. Je brise les chaînes. Je brise au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimés, vous connaissez le pasteur Jonas, qui est quelqu'un qui est pour moi une inspiration. Que Dieu le bénisse où qu'il soit. Il a témoigné. Il dit, dans le monde des ténèbres, si un membre de ta famille prend ton mariage, il vient, il dit non que bon, j'ai vendu le mariage de cette personne. Ok, on dit bon, ok, dépose. Ok, bon, moi je prends le mariage des sorciers. Pour eux là. Et puis il dépose quoi? Il dit, je m'assois dessus. Ça veut dire que comme ils aiment les mauvaises choses là, eux aussi pour eux là, moi je m'assois dessus, je bloque. Au nom de Jésus, je cale. Je dis, je bloque. Je bloque. Ils vont tourner en rond jusqu'à ce qu'ils me demandent pardon au nom de Jésus. Donc, il faut
connaître ce qu'on appelle action prophétique. Je vous assure que tout ce que les gens font dans les ténèbres, là, ce sont des actions. Frère, il n'y a rien d'autre. Si quelqu'un veut être libéré, il va voir le marabout lui dit, bon, et quand tu déposes, tu recules comme ça, il ne faut pas regarder devant, il ne faut pas regarder derrière. Qu'est-ce que c'est? C'est une action. Une action, pour eux, c'est démoniaque. Frères et sœurs, c'est la vérité que je vous dis. Si quelqu'un veut vous détruire, il va chez le maître vaudou, le maître vaudou lui dit, prends une poupée, dépose, pique, 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 pique. Donc, on te pique, pardonnez-moi. Et pendant qu'on te pique, ou on te pique, tu as mal. Et un jour, tu passes quelque part, tu vois une poupée. Alors que c'est quelqu'un qu'ils ont piqué, 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 et puis jeté là-bas. Terrible est la vie. Et si les enfants de Dieu savaient que ta vie là, c'est pas des pratiques que les gens bloquent, mais tu allais tout simplement parler à ta vie. Ils veulent bloquer ta vie. Ils prennent ton nom et ils disent, ils parlent à l'homme de ta vie. On sait que tu te marieras. Et nous ordonnons à ton homme, madame, tant, qu'il ne croise jamais ton chemin. Ils verrouillent la direction. Ils vont même mener des enquêtes, envoyer des démons dans le temps pour savoir ce monsieur vient d'où, il sera d'où. Alors, ils savent que ce monsieur-là sera dans tel quartier. Ils vont dire, faites en sorte qu'elle n'arrive jamais dans ce quartier. Un beau jour, tu es là, ton cœur dit, mais tu dois aller dans tel endroit. Tu te dis, mais pourquoi j'ai seulement envie d'aller là-bas? Et c'est qu'elle a fait ça. Moi, je connais qui à Singapour. Mais quelque chose dit, tu dois aller à Singapour. Dieu te dit, tu dois aller à Singapour. C'est ta destinée. Ça te fatigue. Tu dis, mais c'est qu'elle a fait de Singapour dans mon cœur, là. Allez, là. Ta destinée t'appelle. Amen. Amen. Et ce que Dieu veut là, ça est dans ton cœur. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Parce que tu dois absolument faire ça dans ta vie. Amen. Donc eux, ils savent. Et ils s'asseyent dessus. Mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand on dévoile leurs œuvres. Il y a une qui allait voir une fille, elle dit, toi, c'est Eloge qui t'a aidé à briser l'alliance. Tu comprends qu'elle a révoqué les alliances. La sorcière est même venue lui dire ça. Que tu as la chose. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, les blocages, les retards et autres là, ce sont des pratiques. On a vu des gens qui partaient au champ, ils ont vu une bouteille avec papier de nom de quelqu'un à l'intérieur. On a vu en Haïti, ils vont au pied d'un arbre, ils prennent l'extrait de naissance de quelqu'un, ils pointent là-bas, ils écrivent des choses dessus. Ce qui va t'arriver, c'est ça, ils écrivent. Ce n'est pas des actions. Vous savez que le domaine spirituel là, ce n'est pas n'importe quoi là. Il faut savoir comment orienter ta prière. Quand il s'agit de combat, tu combats. Quand il s'agit de poser des actions, tu les poses. Tu vas vaincre l'ennemi, ils seront même étonnés. Ils veulent te détruire, ils se mettent nus et commencent à faire des rituels et des incantations et autres, des pratiques, des actions. Et si toi, tu ne sais pas comment dire, répète avec moi, je parle aux portes de ma vie. Je parle aux portes de mes finances. Je parle aux portes de ma destinée. Si on vous a verrouillé pour que je puisse vieillir en dehors du plan de Dieu, Paul, élevez vos linteaux au nom de Jésus. Ouvrez-vous, 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 ouvrez-vous au nom de Jésus. C'est comme ça on fait. Amen. Je parle aux portes de cette église. Je parle aux portes de nos finances. Je parle aux portes de nos destinées. Acclame le Seigneur. Si vous avez été fermé, si vous avez été fermé, je vous l'ordonne. Au nom de Jésus. Ouvrez-vous. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, tu viens te dire, toi là qui es assis sur ma vie, tu fais quoi là? Non, il y a quelqu'un qui va souffrir ce soir dans le camp de l'ennemi. Toi là qui es assis sur ma vie, répète avec moi, épée de l'Éternel, viens dans ma main. Épée de l'Éternel, viens dans ma main. Et
l'épée de l'Éternel. Viens dans ma main. Tout sorcier qui est assis sur ma vie. Il est écrit que l'homme fort doit tomber. Qu'on ne pourra rien avoir s'il ne tombe pas. Il est écrit, personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir vaincu cet homme fort. Et paix de l'Éternel, je te saisis, je te saisis, tout sorcier assis sur ma vie depuis le village, au nom de Jésus, je te frappe, 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 plus fort. Découpe, faut briser ce sorcier. Tout sorcier qui est assis sur ma vie, je te frappe avec l'épée. Je te frappe, je te brise. Je te brise, 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 je te frappe. Au nom de Jésus. Répète avec moi. Épée de l'Éternel. Je te saisis. Il est écrit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Je saisis le paix. Je saisis le paix. Que la puissance de Dieu descende dans ma main. Bien-aimé, pendant que tu tiens l'épée avant de frapper, je demande à la puissance de Dieu de descendre dans ta main. Ferme les yeux. Je demande à la puissance du Saint-Esprit de descendre ta main. Ta main, reçois, reçois la puissance, reçois. Je te dis aujourd'hui, c'est ta délivrance. Reçois, 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 libère, reçois, reçois, reçois dans le nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Je dépose l'épée dans ta main. Avec cette épée, tu vaincras. Dis avec moi, je saisis l'épée. Je saisis l'épée. Je saisis l'épée. Je saisis. Aujourd'hui, c'est la fin de l'homme fort. Je saisis l'épée. L'épée, 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 l'épée. Lève la main au ciel. La puissance de Dieu va descendre dans ta main. Une puissance. La flamme divine. Le feu, 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 feu. Reçois. Aujourd'hui, lève la main. Lève la main. Je reçois l'épée. Homme fort, assis sur ma vie. Homme fort, qui détient ma vie depuis des années. Homme fort, femme forte, association des ténèbres. Je déterre l'épée de l'Éternel. Il est écrit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Bien-aimé, tu vas sentir ta main vibrer. Tu vas sentir ta main. Maintenant, tu vas frapper de plein fouet. Homme fort! Aujourd'hui, c'est ta fête. Au nom de l'Éternel, je te frappe. Au nom de Jésus. Je saisis l'épée et je frappe. Je saisis l'épée et je frappe. Et je frappe. Et je frappe. Et je frappe. Et je frappe, 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 et je frappe. Au nom de Jésus. Alléluia. Baisse un peu ta main. Tu vas voir ce qui va se passer. Bien-aimé, tous tes dons, tous tes potentiels, tout ce que ta vie attendait, je te donne cette semaine. Le témoignage de ton témoignage. Le témoignage de ton témoignage. Vous savez pourquoi? Depuis longtemps, on a entendu les sorciers témoigner. Nous là, quand on était dans la sorcellerie, on prenait la vie des gens et puis on s'asseyait dessus. Au nom de Jésus, je me confesse, ils n'ont jamais dit qu'on va, on va récupérer. Maintenant là, nous on a la solution. Il faut dire à quelqu'un, si tu es femme, il faut venir s'asseoir tout sur ma vie. C'est une invitation. J'ai dit, si tu dis que tu es garçon, viens t'asseoir sur mon mariage. Tu vas voir. Hey! Répète avec moi. Seigneur, 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 je te mets à l'épreuve.
Je suis venu parce que je veux voir ta puissance. Ne le fais pas à cause de moi, mais fais-le à cause de ton nom. Montre à ces sorciers-là qui ne te respectent pas que tu es Dieu, que je peux enfanter, que je peux réussir, que je peux évoluer. Au nom de Jésus, il est écrit. Ma parole n'est-elle pas comme le feu et le marteau qui brise le roc? Marteau de l'éternel, je te saisis. Viens dans ma main. Viens dans ma main. Au nom de l'éternel, je saisis le marteau. Tous les cadenas, les barrières et les verrous sataniques qui bloquaient mon destin. Au nom de l'éternel, je vous brise. 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 Je 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 brise. Au nom de Jésus. Répète avec moi. Je prophétise qu'aujourd'hui là, c'est ma vraie délivrance. C'est ma vraie délivrance. Oh, bien-aimé, tu vas faire quelque chose. Hein. Quand tu vas finir de faire, là, en rêve, là, il faut qu'il s'aligne pour venir dire maman, il y a qui? Pardon, on va tout faire. Ils vont venir te demander pardon. Même s'ils prennent visage des gens, ils vont venir dire, je t'avais pris ça, je te rends ça. Ils vont tout rendre. Ils vont tout rendre. J'ai dit, ils vont tout rendre. J'ai dit, ils vont rendre, mais qu'ils vont ajouter. Dis avec moi, ils vont rendre et ils vont même prendre pour eux-mêmes pour ajouter. Ils n'ont pas besoin de ça, c'est moi qui en ai besoin. Ils vont rendre jusqu'à ajouter avec intérêt. Ma soeur, les années qui t'ont maintenu à lutter, souffrir là, ils vont rendre et ils vont ajouter. Il dit, dis avec moi, Seigneur. Mes chaussures là même sont pas trop solides. Mets-moi des bottes de fer. J'ai un travail à faire. Je mets les chaussures de militaire. Je mets des chaussures de fer. Oh, je mets des chaussures. Je mets des chaussures. Je mets des chaussures. Oh, je mets les chaussures. Je mets les chaussures. Je mets les chaussures. Oh oui, Seigneur. Des chaussures de feu. Voilà, maintenant j'entre en scène. Dis avec mon Seigneur. Ta parole déclare. Tout ce que je fais, si je crois, je verrai cela s'accomplir. Au nom de ma famille, pour ma famille et sa liberté, Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Sur les serpents, sur les sorciers, sur les avaleurs. Et la Bible dit que rien ne pourra me nuire. Tu vas dire à Dieu, je n'ai pas envoyé quelqu'un de venir avaler mes bénédictions. J'ai dit, oh, je n'ai pas dit à quelqu'un de venir avaler mon bonheur. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'avaler mon travail. Ils ont cherché, ils vont trouver. Ils m'ont touché. Ils vont le regretter. Toi là, qui a avalé mon travail, mon portefeuille. Toi là, qui a pris mes bénédictions pour faire suppositoire. Tu te prends pour qui? La loi divine déclare, le voleur confessera son péché, il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Toi la sorcière de ma famille, toi le sorcier derrière mes problèmes, tu es qui pour avaler mes bénédictions? Même si tu avais le droit, je suis libre. Même si mes parents t'avaient donné leur parole, je suis libre. Même si on est de la même famille, je suis libre. Même si vous m'avez élevé, donné à boire, à manger,
Les choses anciennes sont passées. 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 Alors, vous faites quoi sur ma vie? Aujourd'hui, il est écrit, tu fouleras le lionceau et l'aspic. Aujourd'hui, je déclare qu'il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien-aimé, toute personne qui a avalé ton portefeuille, ta vie, ta destinée, ton étoile doit vomir. Il est écrit que vous avez englouti mes richesses, mes bénédictions, mon temps, ma percée, mon étoile et ma vie. Vous les vomirez. Alors, toute femme, tout homme, tout sorcier, tout individu qui s'est infiltré dans ma vie pour avaler mes bénédictions et pour les voler, je t'ai saisi par la force. Je t'ai saisi. Je t'ai saisi et je te jette par terre. Je te saisis et je te jette. Je te saisis et je te jette. Je te saisis et je te jette. Au nom de l'Éternel, je brise tes côtes. Je marche sur ton ventre. Je marche. Je marche. Je brise ton cou, ta mâchoire, tes bras, tes pieds. Il faut piétiner. Il faut briser. Je marche. J'ai reçu le pouvoir. Je brise. Il faut briser plus fort. Saute, 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 saute. Je saute sur toi. Vomis ce que tu m'as volé. Vomis, 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 vomis. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur toi. J'ai reçu le droit de marcher sur les avaleurs, les voleurs, ceux-là qui m'ont dépouillé. Je piétine vos ventres. Alléluia. J'ai reçu le pouvoir. Vomis, vomis, vomissez mes bénédictions. Vomissez mon bonheur. Je brise vos bras. Je brise, je brise, je brise, je brise. Libérez ma vie, mes sources, mes biens. Libérez toute personne qui est assise sur ma vie, qui a avalé ma vie. Je brise vos bras. Je brise. Vomissez. Libérez la vie de Momo. Libérez ses affaires. Libérez ses projets. Libérez. Libérez. Je brise maintenant les avaleurs. Les avaleurs. Tous ceux qui ont avalé mes bénédictions. Tous ceux qui ont avalé mes bénédictions. Tous ceux qui ont avalé. Je brise leur corps. Je piétine leur ventre. Je piétine. Je marche. Je marche. Je marche. Je brise les bras. Bien, il faut piétiner plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort et plus fort. Saute, 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 saute. Il faut sauter. Il faut sauter. Arrête de te jouer les chrétiens choco. Piétine. Toi là qui es assis sur ma vie depuis le Cameroun. Je saute sur toi. Je saute. Je saute. Saute, 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 saute. Faut dire je piétine. Je piétine l'homme fort. Je piétine l'homme fort. La femme forte qui est assis sur mon travail. Qui a changé négativement mon destin. Je saute. Je saute. Je saute. Je dois reprendre mon travail. Je dois reprendre ma position. Si je ne reprends pas, ceux qui sont à la base, je saute. Le fort, je saute, 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 je saute, je saute, je saute, je saute, je saute, saute. Ceux-là qui ont bloqué tes projets doivent libérer. Toi là qui es assis sur sa vie depuis le Mali, le Sénégal et le Gabon. Toi, 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 toi. Elle saute sur toi. Il faut piétiner, il faut marcher. Je brise la côte. Toi là qui es assis sur ma vie. Toi là qui prends ta bouche pour me maudire. Je brise ta mâchoire. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Ils n'ont pas le droit de garder. J'ai dit, ils n'ont pas le droit de garder l'harmonie de ton foyer. Saute, 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 saute. Il faut sauter. Saute, saute. Oh, nom de Jésus. Je reprends mes biens que vous aviez avalés. Je reprends mes biens. Je reprends mes biens. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, hey, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, il faut arracher.
pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp des sorciers. Hey, hey. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp des sorciers, hey, pour arracher ce que les sorciers ont volé. Nous allons dans le camp des sorciers. Pour arracher ce que le sorcier a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il faut sauter. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Hey! Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Répète avec moi. En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par la parole de Dieu, par la loi divine, au nom de Jésus, pour demander et recevoir, pour chercher et trouver, pour frapper, pour que l'on m'ouvre. Je prends autorité sur l'homme fort et je lui arrache le contrôle de ma vie. S'il y a quelqu'un, depuis ma fondation, mon village, dans les quatre coins du monde, qui a juré que jusqu'à sa mort, il ne me laissera pas réussir, je déclare aujourd'hui c'est ta mort. Je déclare aujourd'hui, c'est ton dernier jour. C'est ton dernier jour. Je prophétise qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'homme fort, le dernier jour de la femme forte, le dernier jour et la dernière nuit, le dernier jour et la dernière nuit de l'homme fort. Je déterre la hache de Dieu. Je déterre la hache de guerre. Il est écrit, les armes avec lesquelles moi je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Tout sorcier, toute sorcière, tout ennemi qui est assis sur la vie de Thio, sur la vie de Momo, sur la vie de Loge, je déterre la hache de guerre. Au nom de Jésus, je frappe, 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 plus fort. Au nom de Jésus, je frappe avec la hache de guerre. Frappe, 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 brise-les. Dégage de ma vie. Je poignarde. Je les découpe. Je les brise. Je les frappe. Au nom de Jésus. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Plus fort. Frappe. 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 Amen. 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 Mon ami. Toi, tu es trop gentil. À cause de lui, on va reprendre. Amen. Non, je vous ai dit qu'aujourd'hui là, c'est avec un effet immédiat. Amen. Dis à Dieu, ces choses que je devrais avoir dans les années passées là, je ne veux même pas les reporter dans les années futures. Non, c'est Jésus. Il y a trop de choses à faire dans le futur. Mm-hmm. Je les veux maintenant. Amen. Papa, les promesses de Dieu pour cette église là, les transférer dans le futur, c'est encombrer sa vie. Je les veux. Tu as dit, tu les veux maintenant dans cette église. Amen. C'est la vérité. La vie est un déroulement du livre de destinée. Comment tu vas prendre des choses que tu aurais dû accomplir depuis 50 ans pour dire non, je prophétise. Non, 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 non. Les prophéties, c'est pour ce qui va arriver. Les manifestations, c'est ce qui devrait arriver aujourd'hui, ici et maintenant. Amen. Répète avec moi. Toute chose qui m'était destinée. Et qui a été retardé, capturé ou emprisonné en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés au nom de Jésus pour demander et recevoir.
Je vous ordonne de sortir de vos liens, de sortir de ma famille, de sortir de là où vous êtes caché et de venir vous manifester ici et maintenant au nom de Jésus. Maintenant, s'il y avait quelqu'un qui vous retenait, captif et qui vous empêchait de venir dans ma vie, je saisis l'épée. Je saisis l'épée du jugement. Je saisis l'épée. Seigneur, tu dis que ta parole est comme l'épée. Elle est tranchante, capable de séparer la moelle et la jointure. J'ai saisi l'épée au nom de l'Éternel. Tout agent des ténèbres, tout pouvoir de la sorcellerie, tout agent des ténèbres utilisant la sorcellerie, le vaudou, la magie noire, toute forme de sorcellerie pour bloquer ma vie. Au nom de l'Éternel, je te décapite. Je frappe, 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 je frappe. Libère ma vie. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus. Maintenant, vous allez déclarer fort comme moi, plus fort même que moi, même si j'ai le micro. C'est pas combine, mais on va essayer de faire ensemble. Répète avec moi. Aujourd'hui, je déclare l'annulation des malédictions qui pesaient sur moi. Je les brise aujourd'hui. Je libère mon étoile de la captivité. Aujourd'hui, je libère mon église de la captivité. Aujourd'hui, je libère mes bénédictions de la captivité. Aujourd'hui, je libère ma vie de la limitation. Aujourd'hui, je libère tous mes biens emprisonnés. Aujourd'hui, je déclare que j'entre en possession avec la promesse de Dieu au nom de Jésus. C'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Maintenant, tu vas convoquer ta vie. Tu vas encore briser les liens et puis tu vas déclarer ce que tu veux dans ta vie. Amen. Amen. Non, 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 il ne peut rien. La parole est tellement puissante que quelqu'un peut rester au village et puis sa parole te suit partout. Vrai ou faux? Comme un pasteur l'a dit, ils peuvent ne pas te suivre, mais leur parole peut te suivre. Alléluia. Là où tu es parti, on va voir si tu vas réussir. Et effectivement, depuis que tu es là, tu t'entends, tu tournes en rond, tu es bloqué, toi-même tu ne comprends même pas ta vie. À cause de quoi? La parole de quelqu'un. Mais le problème, c'est que tu ne savais pas comment il faisait. C'est pour ça que tu te vois tout le temps au village. Il t'appelle là-bas. Il dit, toi où tu es parti là, tu vas faire seulement que des bêtises. Ok? Tous les bons gars qui vont venir dans ta vie, je te ordonne de les virer. Et effectivement, quelqu'un vient dans ta vie, tu trouves que son nez est gros. Tu crois qu'en réalité son nez est gros, alors qu'il n'y a rien qui est gros. Ce sont tes yeux qui voient ça gros. Un beau matin, là, tu entends qu'il s'est marié, tu regardes la photo du mariage, tu dis, mais attention, ouais, son nez là, il a fait opération ou quoi? Il n'a rien fait. C'est toi, ils ont manipulé pour voir un gros nez. C'est toi, ils ont manipulé pour que tu sens que ta bouche sent. Là maintenant, tu es choqué, tu dis au nom de Jésus, je reprends mon mariage. Tu reprends quoi? Je vous dis la vérité. Les gars là, ils sont tellement bizarres. Ils manipulent les gens là, ils te trompent. Ta foi même, tu vois bleu, bleu alors que c'est rouge. Donc tu vas annuler tout ce qu'ils ont dit. Le nombre de personnes qui sont venues en Europe et qui sont en train d'accomplir la volonté de la sorcellerie familiale, c'est incroyable. Waouh! Tu viens en Europe, tu viens quelque part et puis on t'impose la prostitution. Depuis que tu es venu là-même, tu ne sais même pas pourquoi que ton travail c'est la prostitution. Bon, tu vas dire que ce n'est pas prostitution, mais c'est prostitution. Si tu dois avoir Paul, Jean, Silas pour que chacun te paye le loyer, ça, on appelle ça comment? La seule différence, c'est que tu ne vas pas te caler au bord de la route, c'est tout. Mais ils te l'ont imposé. Il y a une soeur à qui ils ont fait ça. J'étais en train de prier, j'ai dit, ils t'ont donné l'esprit de prostitution. Elle dit, mais moi, j'ai vu. Elle dit, moi, j'ai vu ça. Elle dit, ah bon, elle dit, oui, j'ai vu. Elle dit, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, là, j'étais arrêté au bord de la route avec une petite jupe, je ne sais pas, j'attendais qui, comme une prostituée. Elle dit, ah bon, ah, donc c'était vrai. Alors, elle dit, oui, c'est vrai. Elle me met ça. Effectivement, à cause de l'esprit de prostitution, avec X,
ça ne marche pas. Avec Y, ça ne marche pas. Ben, ça dit que ce n'est pas la prostitution dans le vrai sens, mais de manière indirecte, c'est la prostitution. Parce que se prostituer, c'est aller avec plusieurs personnes à la fois. Tu comprends? Tu quittes ici, tu vas là-bas, tu quittes ici. C'est quand il y a une instabilité dans une relation, c'est-à-dire dans ta vie de couple, on appelle ça la prostitution. Se prostituer, c'est aller avec plusieurs personnes, l'autre après l'autre, l'un après l'autre. Ça s'appelle la prostitution. Alors on te donne ça de manière indirecte, et depuis que tu es là, tu comptes déjà même 50 gars. Depuis que tu es né. Il y a des gens qui ont attrapé un seulement, c'est resté depuis 10 ans. Mais toi là, tu attrapes sa part, tu attrapes sa part. Tu oublies que c'est l'esprit de prostitution qui te fatigue. Répète avec moi, je révoque la prostitution spirituelle. Je brise la prostitution. Et je donne la stabilité conjugale. Je brise la prostitution. Je brise la malédiction de prostitution. Je brise la malédiction de prostitution. Je brise l'instabilité. Je brise les malédictions. Je sors du plan de l'ennemi et j'entre dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Beaucoup de gens ne sont pas stables dans le boulot. Normalement, tu viens sur terre, tu trouves ton boulot, tu commences à régner, prospérer, et puis tu es tranquille. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais bien aimé, il y a des gens qui ont changé boulot, fatigué, et n'ont pas encore trouvé ce que Dieu veut. Le jour que tu trouves le plan de Dieu, bien aimé, quand tu entres dedans là, tu oublies même. C'est le genre de boulot que tu fais jusqu'à ce que tu oublies que le temps passe. Ah, on te demande pardon. Ta femme dit, mais fermez l'ordinateur là, il est 4h du matin. Ah, on dit, mais depuis là, tu es en train de travailler seulement sur ta toile là même. Tu es tellement passionné. Tu prêches même, tu n'as pas envie que les gens partent à la maison. Il y en a même qui commencent à regarder l'heure. Ils regardent l'heure, mais toi, c'est là que tu es inspiré parce que tu es à ta place. Amen. Amen. Tu vas au travail, on dit non, tu peux rentrer, tu dis non, partons, j'ai encore un autre dossier à traiter. Tu es passionné. Mais je t'assure, quand tu n'es pas à ta place, là, tu t'ennuies. Ton patron, même quand il passe comme ça, là, même là, il t'énerve. Je t'ai dit, un beau lundi matin, tu te réveilles, même ton réveil, là, même tu pousses, jusqu'à ce que quand même qu'il te reste 2 minutes, là, tu cours comme ça maintenant. Parce que tu sais que si tu ne vas pas, on ne va pas te payer. Ça dit une vie de pression, de souffrance et de galère. À cause de quoi? Le changement de destin. Dis avec moi, si mon destin a été changé, j'ai brisé, j'annule les changements. Si ma vie a été manipulée et inversée, je brise la manipulation. Au nom de Jésus. Éloge ici. Éloge ici. Où que tu sois, je t'appelle. Au nom de Jésus. Viens. Ici et maintenant. Assieds-toi. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as entendu quelqu'un dire sur toi. Tu vas tout briser. Il ne faut pas compter sur moi pour te donner prière. Toi-même, tu connais ta famille. Ce qui sort de leur bouche, là, tu connais. Tu connais tes amis, leur jalousie, là. Tu sais ce qu'ils condamnent. Tu vas détruire. Tu vas briser. Tu vas annuler le jugement. Ma soeur, si quelqu'un a déclaré qu'il y a des choses dans ta vie que tu ne vas pas avoir, tu annules ce jugement aujourd'hui. Là où ils t'ont convoqué dans les ténèbres, là, tu renverses tout. Toi, maintenant, tu viens t'asseoir à ta place. Tu révoques tout. Fais attention tous les jours. Si ton mari te fatigue, là, faut pas te fatiguer. Ça, ce sont des secrets que je vous montre. Ok? Il n'a qu'à faire bouche. Quand il est en train de parler, là, tu le regardes comme ça. Laisse-le faire son malin. Il te déclare même ce qu'il veut. Tu le regardes comme ça. Et puis quand il part, tu prends la chaise. Tu dis. Et puis tu dis, Moussa, j'appelle ton âme. Depuis ton village, chez tes parents, chez tes conseillers, tu viens ici. Tu le fais asseoir 1 heure. Tu dis, Moussa, désormais, là, quand tu vois femme dehors, tu dépasses. Non, papa. Tu vois femme dehors, tu dépasses. Même si c'est elle qui te drague, tu dépasses. Même si ce sont tes amis qui te donnent, tu dépasses. Même si c'est ta maman qui dit que c'est sa préférée, tu dépasses. Amen. Tu vois une autre femme dehors, tu la verras comme un homme. Et d'ailleurs, si tu essaies, je déclenche ton moteur. Ah oui. Tranquille. Mon frère, les femmes là sont contentes quand elles disent, aujourd'hui là, on est gâtés. Mais il y a les femmes aussi. Tu l'appelles, tu lui dis, toi, là, tu l'appelles, même si elle s'appelle Marceline. Marceline, t'es meilleur. Ibessigi. Tes camarades partout là qui te manipulent là, je vous sépare. J'envoie la confusion entre vous.
faites palabre jusqu'à ce que vous vous séparez. Vous vous pardonnez, mais vous ne vous voyez plus. Au nom de Jésus, tu les quittes. Tu parles. Matin, tu fais ça une heure. Le soir, tu fais ça une heure. Ton patron têtu là qui ne veut pas te donner le contrat. On connaît le secret maintenant. Tu prends son nom. Monsieur tant, directeur de telle entreprise. Si tu n'es pas sur cette terre, cette parole ne va pas t'affecter. Si tu ne respires pas, cette parole ne va pas t'affecter. Si tu ne bois pas d'eau, cette parole ne va pas t'affecter. Si tu n'es pas en contact avec le soleil, si tu n'as jamais vu la lune, cette parole ne va pas t'affecter. Vous voyez, je dévoile des secrets comme ça. Et puis pourquoi je le fais ici même? Bon, c'est pour vous. La Bible dit que le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Josué, pour avoir le pouvoir sur ses ennemis, il a fait quoi? Il a commandé le soleil. Ça, ce sont des secrets. Dès que tu finis de déclarer cette parole-là, le gars, il sort, il respire, là, c'est toi qui le penses. Je vous dis la vérité. S'il touche l'eau, c'est toi qui le penses. Tout ce que tu dis là, ça contrôle l'univers. Dieu a dit à Job, toi tu souffres depuis là, voici un secret. Tu donnes. Dieu a donné un seul secret à Job. Job a eu sa libération. Il dit, parle à l'aurore. Si tu parles à l'aurore, l'aurore va saisir les extrémités de la terre. Tous tes ennemis vont trembler. Ah, tu parles au jour, tous les pays où le jour se lève. Si l'homme de ma vie est là-bas, dès qu'il voit la lumière du jour, que le Saint-Esprit le saisisse qui vient jusqu'ici. Amen. Arrêtez de régler les problèmes par la force. Parce que la plupart des décisions que vous prenez parfois, là, c'est après des rêves. Quand on vous a envoyé au village, pour vous dire désormais, là, on t'ordonne de quitter ton mari. Un beau matin, tu viens là, tu n'aimes plus ton mari. Et puis, tu te bats même pour le quitter. On te force, ils amplifient, ils mettent même des gens autour de toi pour t'encourager, les supporters maléfiques. Et puis, elles-mêmes, elles ne sont pas mariées. Mais toi-même, tu t'es débrouillé pour avoir un lanté. Il faut partir. Les hommes, ils se plaignent pour qui? D'ailleurs, même tu es trop belle, même pour lui. Oh, ça fait mauvais. Et puis après, maintenant, tu pars 1-0. 2-0. D'ailleurs, même ton pointeur, là, il s'est désisté. Dès que tu es parti, il dit, ah bon, bagage comme ça, là, qui va prendre? Alors qu'il te blaguait. Il te blaguait. Maintenant, tu es parti. Tu dis, bon, je suis libre. Il dit, quel libre? Depuis quand? Tout ce qu'il t'a dit, là, il va penser à parler arabe. Quand tu parles anglais, tu parles français, il ne comprend plus. Et toi, mais tu t'es dit, hé, c'est pas à cause de toi, il fait tout ça là. Il t'a dit, non, je ne t'ai pas dit que moi, je suis prêt. Et là, maintenant, tu regardes derrière, on dit, non, la porte est fermée. Quelqu'un d'autre a été placé là-bas par Dieu. Tu n'as pas compris la valeur de ta chose. Manipulation satanique. Oh. On peut te manipuler, entrer quelque part où tu n'es même pas destiné à être, et puis tu es en train de souffrir là-bas. Papa, il faut te lever, pardon, on n'a pas encore fini. Oui, donc, c'est pour ça que vous devez faire ça. Appelez votre travail, mon travail, parce que c'est un esprit qui est derrière ton travail. Parle à ton travail. Mon travail sera béni. L'œuvre de mes mains, béni. Ma prospérité, ça, infini. Amen. Lorsque je voulais donner le nom de mon ministère, le Seigneur m'a dit, donne à ton ministère océan de grâce. Ce qui veut dire que si quelqu'un peut finir de boire l'océan, c'est qu'il va arrêter ma bénédiction. Amen. Donc, tu vas bénir ta vie. Non seulement, à la maison, il faut avoir une chaise. Tu dis à tes enfants, non, ne vous asseyez pas là-bas. Non. Quand étranger vient, même tu prends, tu t'en vas. Il ne faut pas que quelqu'un vienne t'asseoir sur ta bénédiction. Tu as trop béni chaise là pour laisser n'importe qui s'asseoir dessus. Si quelqu'un peut se tromper, c'est ton mari. Si toi-même, tu dois oublier, c'est toi-même. Pompe à la rigueur tes enfants. Cette chaise est tellement bénie que tu peux avoir n'importe quel problème. Et puis quand tu t'assois dessus là, les problèmes s'en vont seuls. Amen. Tu es tranquille là. Je vous donne des choses qui vont vous aider. Amen. Une sorcière savait ce secret et elle a bloqué ma vie. Le Seigneur m'entend parler. Elle est allée s'asseoir dessus. Hey, j'ai commencé à invoquer le feu, poser des actions prophétiques. Toi qui es assis sur ma vie, je t'envoie le feu, le feu, le feu. Quelque temps après, ce frère l'a béni, sur le. Quand je dormais par terre à l'église, là, c'est lui qui venait me, comme on dit en Côte d'Ivoire, me soutraire un peu. Filme-le, ils n'ont qu'à le voir. Lui là qui m'a aidé là. Il faut bien montrer son visage. Tu fais grand écran, tout le monde va le voir. Ils vont dire, ils n'ont qu'à le bénir. Ce monsieur-là et moi, là, on est ensemble depuis 1900, je ne sais même plus combien. Oui. Frères et sœurs, j'ai prié. Gloire à Dieu. J'ai prié. Et une nuit, après que l'homme fort soit brûlé bien, puis il s'est cherché là.
J'ai vu un gros fauteuil, c'est pas comme celui-là, il était même plus gros et plus confortable, tu vois, non? Et puis ils ont écrit dessus en anglais, free. Allez là, je comprends, ce n'est même pas anglais. J'ai dit free là, ça veut dire qu'on dit libre. Il dit ok, c'est bon. C'est bon. J'ai dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu un gros fauteuil comme ça, ils ont écrit dessus free, FR2E. Ça veut dire quoi? On dit, ça veut dire libre. Il dit, ah, c'est libre. C'est bon. La même sorcière, là, un jour, j'ai passé, je l'ai vu. J'ai dit bonjour maman, elle tourne ici. Bonjour maman, elle tourne ici. Bonjour, elle tourne. Elle ne peut même pas me regarder tellement quelque chose la dérangeait. J'ai dit ah, c'est bon, on se connaît. Mais moi aussi, je savais que ça la dérangeait. Donc, quand elle tourne, je tourne, elle tourne, je tourne. Elle tourne, je tourne. Quand je l'ai assez fatigué, c'est là que j'ai dit bon, maintenant, elle peut te laisser tranquille. Pour juste pour te dire que je te connais. Amen. N'ayez pas peur de la sorcellerie. J'arrive au village, il y a un sorcier qui me voit et puis me regarde. Il dit toi, on dirait que tu pries maintenant. Hein. J'ai dit hey, j'ai demandé à un gars, comment lui, il sait que j'ai pris. Moi, il vient d'être converti. Converti deux jours là, et puis lui il est au courant ici au village que j'ai pris. Et puis le gars me dit c'est un sorcier. Il dit ah bon, c'est un sorcier. Et allez m'arrêter devant lui maintenant. Il a bien me regarder. Faut me regarder maintenant. Faut essayer, tu vas voir. Je suis même allé chez eux à la maison pour m'arrêter devant lui. Il a me regarder, tu vas voir. Soyez audacieux. Parce que ce dont l'ennemi se nourrit, c'est de la peur. Alléluia. Goliath s'est nourri de la peur d'Israël. Ça l'encourageait même. Quand il fait un pas comme ça, puis on fuit là. Il se croyait zélé, mais il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui ne connaît pas la peur, qui affrontait même les lions. Ah, excusez-moi de le dire, je vous aime beaucoup, mais arrêtez d'être des femmes peureuses et des pleurnichardes. Pasteur, il faut prier pour moi. Parfois, même tu as un temps pour envoyer un texto de 50 km, tu n'as même pas le temps pour fléchir genoux devant Dieu. Dès que tu ouvres ta Bible, ton téléphone, tu t'en vas regarder. Tu ouvres la Bible, même parfois tu oublies même que la Bible a ouverte là-bas, ça t'attend. Arrêtons d'être des peureux. En 2022, là, soyez des audacieuses. Amen. Ne prenez pas un non pour réponse. Un non peut être un oui indirect pour quelque chose de plus grand. Amen. Ayez votre chaise à la maison. Chaque matin, parlez. Dites votre nom. Tu peux même écrire ton nom dessus. Voilà, la place de Elohim ici. Le trône de Elohim ici. Quand tu t'appelles là, tu révoques toutes les malédictions. Tu les révoques. Action prophétique matin, midi, soir. Même ton mari, là, tu l'appelles. Tu dis, c'est toi qui vas être converti là. Aujourd'hui, je mets le Saint-Esprit en toi. Tu le bénis. Un bon matin, tu vas voir le gars, c'est lui qui va te réveiller à 5h du matin. Pour dire, chérie, on prie aujourd'hui. Tu seras même étonné que tu as entendu, même on prie aujourd'hui. Ayez la foi. Amen. Ayez la foi. Amen. Tu appelles ta destinée. Si toi, ma destinée, tu as été changée. Aujourd'hui, je t'ordonne d'entrer dans le plan de Dieu. Je te libère au nom de Jésus. Tu dis, Sylvie, je révoque les méchancetés que tu as subies. Oh, Marie Kanzi, au nom de Jésus. Amen. Tu invoques sur toi plus de bénédictions, de faveurs, de prospérité, de toutes les bonnes choses. Amen. Je te garantis, ça va arriver comme tu dis. Amen. Tu t'appelles. C'est toi, ils ont dit, tu ne vas pas enfanter. Qui a dit ça? Il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, je te délie, je te libère. Une heure matin, une heure du soir, tu vas venir témoigner pour dire non, vraiment Dieu a parlé. Amen. Répète avec moi, Seigneur, parle à ma vie. Seigneur, parle à ma vie. Maintenant, tu connais ton nom. Et puis, je vais te donner un petit secret. Tu sais que les sorciers de ton village, parfois quand ils t'appellent, là, ils n'appellent pas ton nom français. C'est trop compliqué pour eux. Il y a ton petit nom là. Ton petit nom, mais c'est quoi? Bon, faut pas dire, il y a des gens qui vont écouter. Tu vois ton petit nom chic là, que c'est la grand-mère seulement qui sait comment bien articuler là. Qui prend ça? C'est ce nom-là qu'ils prennent pour te fatiguer, je te dis la vérité. Depuis là, tu dis non, si quelqu'un dit mon nom, que le feu tombe. Le feu n'est jamais tombé parce que ce n'est pas le même nom qu'ils utilisent. C'est la vérité. Un jour, il y a ma tante qui m'a appelé, j'ai dit on n'a qu'à prier dans notre ethnie. Tous les sorciers ont fui. Parce que ils comprenaient maintenant ce qu'on dit. Avant là, le feu tombait, ils ne savaient pas pourquoi. Mais cette fois-ci, ils étaient au courant de ce qu'on disait. Alors, arrêtons de nous fatiguer. Alors, si quelqu'un sent qu'aujourd'hui c'est son jour, tu vas maintenant faire cette action que le Seigneur m'a révélée. Il m'a inspiré ça et c'est pour toi. Répète avec moi. Tu dis ta date de naissance, mais dans ton cœur. Ta date de naissance. Tu vas faire quelque chose. Voilà. Voilà. Éloge qui c'est. Oh,
de Jésus, je t'appelle. Viens t'asseoir ici et maintenant. Même si tu étais prisonnier, retenu et enterré, sors des liens de captivité. Viens t'asseoir ici et maintenant. C'est pour ça que vos projets n'avancent pas, bien-aimés. Dès qu'ils entendent qu'elle va se marier, ils prennent ton mariage, ils vont déposer et puis ils entourent. Chacun prononce le calvaire qu'il veut que tu vives. Frères et sœurs, je suis un peu jeune, je ne connais pas grand chose, hein, mais j'ai appris le combat spirituel par la grâce de Dieu. Ils t'entourent et chacun prononce la malédiction qu'il veut. Si l'autre veut que tu aies seulement que des fibromes, ils vont déclarer et toutes les nuits ils font la même chose. Juste à ce que ça commence à apparaître dans ta vie. S'il y a un qui vient là, il avance comme ça. Et puis chacun prononce pour lui. On va faire quelque chose. Qui est d'accord? Amen. On va se mettre 4-4. Ah, je suis sûr que si un sorcier tombe sur cette vidéo-là, il va pleurer. Mettez-vous 4-4, choisissez vos partenaires de combat et autres. Quand Dieu révèle, il faut agir. Mettez chaise au milieu. Mettez chaise. Voilà. Les caméramans, là, les anges de Dieu travaillent pour vous. Papa, va avec maman. Voilà, va régler l'affaire là, là-bas. Voilà. On connaît leur secret. C'est eux qui croient qu'on est gaou. Sinon, on voit clair. Tranquille. Si on avait jugé ton travail, si on avait jugé ta destinée dans les ténèbres, aujourd'hui, là, nous venons avec le jugement de Dieu. Nous venons par l'autorité qui nous a été conférée pour régner, pour demander et pour réussir. Mon ami, si tu n'as personne, toi tu viens chez moi ici, tu n'as pas oublié, je suis seul là. C'est tout. Voilà, toi tu viens ici. Voilà. Et puis après, on va prier pour les caméramans et les techniciens. Tranquille. Voilà. C'est quel groupe qui est trop et puis qui est moins. On va équilibrer les choses. C'est bon. Répétez avec moi. On va aller à tour de rôle, hein, vous donner le nom de 1-1-1-1. Ok? Et puis quand il s'agit de prier pour toi, tu t'appelles comment? Jordi. Jordi. Si je prie bien pour toi, il faut prier bien pour moi aussi. Il faut dire ça à vos partenaires, on ne sait jamais. Ok? Donc nous, on va prier pour Jordi. Ok? Maintenant, levez la main au ciel. Alléluia. C'est une action prophétique. Répétez avec moi. Jordi. Jordi. Assieds-toi, Jordi. Assieds-toi. La première personne s'assoit. La première personne s'assoit. Papa, pardon, faut déposer ça là. Voilà. La première personne s'assoit. Levez la main au ciel. Le Seigneur est en train de nous guider. Voilà. On va dire le nom de la première personne. Il s'appelle Jordi. Jordi. Il est écrit. Il est écrit. Si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose au nom de Jésus, elle leur sera accordée par le pouvoir qui nous a été conféré par la loi divine pour demander et recevoir au nom de l'Éternel. Jordi, nous te libérons, prions. Nous brisons les chaînes, nous brisons les cordes, il faut briser. Nous brisons les liens, nous brisons les chaînes, nous les brisons, nous les détruisons. Nous libérons ta vie au nom de Jésus. Jordi, nous te libérons, nous déclarons ta liberté, nous te détachons. Jordi, tu sors de la captivité. Nous brisons les liens de la sorcellerie. Nous brisons les liens, nous brisons les chaînes, nous détruisons, nous brisons les liens. Il faut briser. Jordi, nous brisons les liens, nous brisons les cordes, nous te libérons. Je libère ton âme. Jordi, nous brisons les liens, bien aimé, faut prier. Nous brisons, nous cassons. Tu es libéré, tu es délivré, tu es restauré au nom de Jésus. Tu es libéré. Jordi, nous te libérons, nous te détachons, nous brisons les liens, nous te délivrons. Tu sors de la captivité. Jordi, sors. Nous te libérons, nous te détachons. Sors. 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 Oh.
Vous avez détruit tout ce qui est mauvais dans sa vie. Maintenant, vous allez le bénir. Vous allez déclarer la prospérité. Ma soeur, toi aussi, tu peux dire aux gens, voici mon problème. Ils n'ont qu'à attaquer la racine de ton problème. Il ne faut même pas avoir honte. Quand on prie fort, la personne entend.